bouche autorisée de notre Dieu. La bouche autorisée de notre Dieu. C'est les prophètes. Au cours des âges, tu as parlé à son peuple béni au travers des prophètes. Oh, la bouche de Dieu. La bouche autorisée de Dieu, c'est les prophètes. Ceux qui les recevaient, recevaient la vie. Ceux qui les rejetaient, les jugements. Moïse était la bouche de Dieu pour les enfants d'Israël au temps des eaux. Jérémie était la bouche de Dieu pour les enfants d'Israël en captivité. La bouche autorisée, c'est la référence des promesses de Dieu au travers des âges. La bouche autorisée, auto-indicateur de la volonté parfaite de Dieu. La bouche de Dieu, c'est les prophètes. La bouche autorisée de Dieu, c'est les prophètes. William Branham est la bouche autorisée de Dieu pour cet âge du temps de la fin. Toi, Éphésiens 4, répète-moi la parole parlée, sortie de la bouche autorisée de Dieu, car la bouche de Dieu, c'est le prophète de Malachie 4, qui a reçu la commission de révéler le mystère de Dieu. Car il y a trois choses qu'il ne faut pas faire de la parole: la mal placée, la mal interprétée, il a disloqué. La bouche autorisée, c'est la référence des promesses de Dieu au travers des âges. La bouche autorisée, auto-indicateur de la volonté. Chez moi, la parole sortie de la bouche autorisée. Prêchez-moi, la parole sortie de la bouche de Dieu. Répétez-moi, la parole sortie de la
pardonnez-moi. J'ai ma gauche et réa.